Sorti Haïti entre Brésil, Brésil rive Chili, de Chili vini Mexique. Je dis à la nous gen jeune garçon ça qui décidé faire un petit dialogue avec nous sur plateforme Léo Nachoa dans le cadre de la vie haïtienne dans le pays Mexique. Zamim, déjà nous dou bonjour et bienvenue sur plateforme. Bonjour Léo Nachoa, je vous remercie pour l'interview aussi. Non pas M. Junior Mileus, M. Moun Gonaïve. Pour le moment là, je vis au Mexico. Ok, c'est un plaisir encore. Merci. Alors, faut t'expliquer nous, décision pour te quitter Haïti, pour aller au Brésil, et comment ça t'est, qui ça t'est poussé pour prendre décision ça? Ça t'est poussé pour prendre décision, c'est à cause, moi t'es venu avec petit monde, pendant que j'étais avec petit monde, on va faire petit sous compte parents obligés, il faut déplacer, quitter le pays. Mal Brésil, de Brésil, je commence à travailler, moi, c'est pour grand merci, je travaille, je vais écrire Haïti, pas petit monde. Je suis obligé de traverser Chili. De Chili, moi, ça devient meilleur malgré que j'ai des papiers. Je fais 2 ans Chili, 2 ans, 8 mois. Après ça, je traverse et je suis venu au Mexique. Combien de temps tu fais au Brésil? Moi, je fais 2 ans au Brésil. 2 ans. 2 ans, ça, ou 10 ans, ça, c'est difficile pour que tu sois capable de voir moyen, ben, petit ou petit. Oui, oui. Moi, je vis bien, moi, je travaille, moi, je vis bien. Mais là, je vois que tu es un peu de temps. Qui ça l'est ou monter gain maximum pendant que tu travailles là-bas? Moi, je suis touché 1200 reais, plus c'était bon 2 cartes d'alimentation. Qui s'est mangé par ça. Mais là, vous voyez là, il n'y a pas de nom. Ok, comme ça, reais à dollars. Combien de dollars environ? Non, et vous pouvez venir pour pas. Oh, bon, ouais. 1200 reais ça, à l'époque, il était 125 dollars. Oh, 125 dollars américains, 1000 combien reais? Oui, non, 200. Il était dans 225 dollars, là, ça. Vous dites 1400, 1500 reais? Oui. Égal à 200 dollars. Oui, parce que je mettais comme alimentation, je mettais complété la veille. Bon, mais ça. Voilà, ça intéressant parce que tout le monde entendait parler de Brésil, de Riaz là, mais nous pas de jambes qu'on est 6 dollars, tu es un petit jambes bas devant le monde. Il y a un peu de salaire, ça touche à le banc. Pour qu'on travaille, tant que ce n'est pas monde, nous allons bien vivre dans le pays. Mais il y a un cas où vivre dans belle cas, mais nous ne pouvons pas être en Haïti. Nous ne pouvons pas être en Haïti, nous ne pouvons pas être en Haïti. Nous ne pouvons pas partir pour ça, nous sommes obligés de mettre les pieds dehors. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas de façon où tu es capable de faire pour que tu es capable d'entrer dans le monde pour le jeune? Oui, moi, tu es capable, oui. Et ça t'es capable. Capable. Ça t'a coûté 3 cobs, je suis plus sur 2 routes là plutôt. Peut-être ça me dit, pour faire cob route là, plus facile, je vais traverser, je vais faire cob là, oui. Après ça me vient. Okay. Jusqu'à présent, petit au Haïti. Oui, petit au Haïti jusqu'à maintenant. Donc, tu es arrivé à résider au Brésil? Oui, moi, j'ai résidence au Brésil. Résidence permanente ou bien? Permanente, bien. Ok. Quand là, de Brésil pour Jean Béchil, comment ça t'est même? Je prends un bus, m'achète billet, bus, de bus, monter par Bolivie, de Bolivie, monter par Brésil. Je fais 2 jours dans le bus. Deux jours? Je fais à pied tout. Je fais comme des fois 4 étapes, marche à pied. Il y a des côtés immigration, tu as des problèmes, pour la police, tu as des problèmes. C'est à soi, nous passer là, et ça qui fait nous faire tout le temps ça. Alors, vous n'êtes pas trop difficile? Non, il n'est pas trop difficile avec rage, rage à pire mal. Ok, mais elle est arrivée à Chili, comment on fait pour t'adapter? Comment tu fais rentrer dans le pays? Moi, entrer normal, oui, moi, entrer normal. Elle dit, sous frontière, mon gars, entrer normal, Chili. Oui, moi, entrer ça, m'a acheté BM, là, moi, je vais en côté, où les Ekike, qui est dans Chili, en ville qui est dans Chili, m'a acheté BM pour Santiago. Combien de temps tu fais Chili? Moi, je fais 2 ans, 8 mois Chili. Comment ça t'est comparativement à Brésil? Il était pi bon, il est pi bon, mais celle, ça m'a dit, Brésil, pi. Préparé pour émigrer. Chili, na affaire de caille, m'a senti c'est un pays qui tellement préparé pour émigrer. Caille là, il est trop cher ou bien pas confortable? Il est pas tellement confortable pour prier. Ça me dit c'est sérieux. Ça qui est vraiment cher, le wal rester dans l'édifice, l'édifice là m'a donné pile papier pour rester là-dedans. Ça me dit. OK, mon pas arrivé à Chili non? Non, c'est difficile pour nous de papier. Il y a des processus de faire, malgré me faire, je te dis, tu as pris les mains, je ne pas, je me dis. Mais à qui document est arrivé, travail, fonctionner chez lui? Moi, je travaille sous papier 11 ans même. Ah, il permet mon travail sous papier. Oui. Je ne peux pas permettre, il permet. Non, si vous avez une ressemblance avec mon nom, qui travaille, il n'y a pas de checker. Hein. Ok, ok. Nous sommes là. Quelle est la décision pour quitter Chili, Konya, pour venir au Mexique de là pour entrer aux États-Unis? Comment ça? Comment tu as arrivé pour une décision ça même? Décision ça était dans tête mais depuis l'emmener au Brésil même de ouais m'ta fait comme bout la plus facile les montrer Chili. Okay. Et ça te fait monter choisir à faire comme la Chili, venir faire comme là mettre pied mieux. Combien de temps tu prends pour te faire comme la Chili? Bon. Pour me bien zoom t'es qui t'a préparé comme là, dès qui t'a préparé comme là tu viens passer dans même pas de venir aller. Après ça, nous retravailler encore, nous sembler comme là. On fait 2 ans 8 mois, moi faire comme là encore après ça me tombe tes pied mieux. M'acheter billet avion. Je ne suis pas Pérou, de Pérou, je continue à respecter dans le bus.
Je suis allé au Chili, est-ce que tu fais assez comme pour te gérer la famille ou petit tout en Haïti? Oui, oui, bah, Chili. Et depuis bon que Brésil. Chili, bon accès au café $600 le mois. $600, ça l'est minimum, non? Oui. Qui travaille ou tu fais Chili comme ça? Moi, je travaille dans la construction, c'est ajudante. Olnal, il y a ça. Ok, ajudante. Et Brésil, c'est même travail que tu as fait? Non, Brésil, moi, je travaille dans la compagnie Poule qui est le GT Food. Ok. Fait combien de temps tu fais dans le compagnie? Tu fais 9 mois dans le compagnie. Est-ce que par rapport. Ok, je vais parler. Si avec comme ça, tu es bon, moi, je fais un bail à viso. On est debout, on travaille, on va quitter, on fait, on va quitter, on a un bon lieu pour finir le travail. C'est comme ça, tu es bon, moi, avec le traversé, on est entré chez lui. Ok, qu'on est là. Est-ce que comparativement à plusieurs personnes qui étaient arrivées victimes dans la route là, toute l'année 2019, 2020, 2021, yo, et ça pas de bon yon créatif ou te fait route là pour te capable venir ici là? Non, parce que toujours mettre dans tête chaque monde qui chance pas. On passe dans route là, gen moun ki devant voler fouiller. Mais gen moun konn yo te même siré d'elle même. Mais on pas de victime hein. Pas victime, même pas ba les voleurs même. Combien jours tu fait dans forêt là? Moi fait environ 3 jours. 3 jours me fait embarrager. 3 jours. Laisse ça et dormir, manger à comment ça dit même. Moi t'ai acheté tente moins manger, m'étais porté plus provisoire à manger qui rad. Gede gade te pote te vin mouye, te jete yon an out la. Mwen te fè manje, mwen te achete rechoum tout bagay, mwen fè manje an baraje. Alors te fè out la pou kontou ou bien avec l'autre zami? Mwen te fè la avec l'autre zami plus mwen kouzem ki te avem tout tèt, mi se bat telman. Bon, se mi se fè mfè plus tan anraje parce que mi se pat kamashi. Ah, ok. Ya mi se gen problem mental bay zero. Ok, mi se yisit aktuellement? Oui, li yisit la. Ok, men lè nou yi ven an fore a, ki l'autre nation nou wè ki te nan out la tou? Gen pile nation ki te nan out la. Gen Dominicain, gen Porto, mdi Porto Rican, gen Guatemaltec et... Non, Guatemaltec, Guatemala, c'est tout prenons là. Oui, oui, oui. Gen pile nation de jeune, non? Pile nation. Ah, Guatemaltec ki ta vive dans l'autre pays ki oui, décide... Oui, oui, ki décide retourner, oui. Ah, ok, ok. Voilà. Nation barre nan out la, c'est le Chili, mde kadjo nan Amerik la ba. Chili ou pa pren out la. Brésil. Bon, mwen Japonais nan out la. Ok. Mwen Japonais. Tout ça? Oui, pile Africain nan out la. Pile Africain. Africain ça ou pas, c'est Brésil de Brésil. Oui, de Brésil, le vini pas ça. Okay. Brésil, moi, plus Africain Brésil que Chili. Bah, dis pas gagné, non, mais moi, plus. Pile Africain Brésil. Est-ce que pas gagné un baray qui grave qui te passe dans la route là, de sortir Chili pour arriver ici là, qui marque ou? Ça m'a dit grave qui passe, c'est l'organ cob dans le pochou ou pas qu'à jeune manger acheté, si tout, si bagay pour vision ta fini, ou pas qu'à jeune manger acheté. Et en côté, je suis venu encore, là, ça m'a quitté ça pas dans la route là, non? Je suis quitté en arrivé à Tapachula, de Tapachula, pour entrer au Mexico. Je suis souffert en pile, je suis pile tap marché, passe en pile misère. Ok, qu'on est là, combien de temps environ tu es pour sortir du Chili pour arriver ici là, par exemple? Combien de temps environ? En tout, pour 22 jours. 22 jours. Je ne vais pas mettre Mexico là, parce que là, je suis arrivé à Tapachula, je suis allé en hôtel. L'hôtel de l'eau a fait un mois, 15 jours là-dedans. Après ça, je me suis déplacé pour me retourner venir ici. Ok. On a arrivé à Tapachula et vous avez commencé le processus pour légaliser ça ou bien? Oui, je commence le processus parce que je suis quitté à faire le protocole, je suis en colombe de base. Ok, on a la mal signé. C'est vrai que je suis mal signé parce que depuis que vous raté, on date. Chaque 15 jours pour aller signer dans moi, ou signer deux fois dans moi. Depuis que vous raté, on 15 jours pour aller signer, vous quittez son monde, le programme a abandonné, vous avez tout le monde. Yeah. Ok, vous dites qu'on s'est passé en pile trahir, sorti Tapachula pour arriver à Mexico City, qui est la capitale du Mexique. Oui. Faut expliquer nos expériences. Pour moi-même, ça me met dans la tête, c'est pas un trafic qui m'a petit petite fait pour mes hommes. Parce que, par exemple, moi, je suis là, son riz, son monde pour un pour faire. Parce que, immédiatement, on ne paye pas les Mexicains, on passe en pile misère. Vous dépensez en pile corps. Vous dépensez en pile corps, yeah. Vous dépensez en pile corps pour sortir Tapachula pour arriver ici à Mexico. Est-ce que nous faisons un pile route à pied ou bien c'est... Oui, oui, oui. Il y a des côtés, c'est caravane qui est obligé de faire passer immédiatement. Il y a un beau, il y a un tout non Tapachula. Ok, caravane, vous dites un pile monde met ensemble. Un pile monde, pile nation, nous avons des zones passées, c'est caravane. On ne va pas passer pourquoi. Immédiatement, immigration. Bon, moi-même, je suis prêt, je suis retourné. Je suis arrivé tout cela, je suis retourné. Je suis retourné dans 8 là, retourné. Même si je suis filmé, je suis fait si on n'a pas à pied, bah, ça. Je retourne de balancer encore, okay. Même jour. Ça veut dire pas qu'il y a une déportation pour vers Haïti? Non, pas qu'il y a déportation pour Haïti. Mais il y a retourné ou bien au lago dans une ville qui est dans Jean-Pays Sarrelé, les frontières avec Mexico. Oui.
Guatemala? Guatemala, oui. Il y a blague non, ville Guatemala. Parce que il y a un peu de monde qui a 6 mois. Mexico a tenté pour y monter Monterrey, il a pris un déporté. Je suis croisé avec les maps retournées là. Je vais retourner Guatemala. De Guatemala, je vais piquer, dépenser l'argent. Puis il retourne encore. Moi, je ne sais pas si mon conseil, si vous avez un papier pour monter mon délai. Est-ce que vous avez valé environ, sorti chez lui pour arriver jusqu'à Mexico City? Combien de vous pensez qu'on ça environ? Bon, je ne sais pas effectif, mais ce n'est pas ça lié, parce que je garde un peu le corps. Pour moi-même seulement, mettez en total pour arriver côté Mia là, ou 3 500 qui gâte. 3 500 $ américains qui gâte. Ok. Et vous sorti chez lui pour jusqu'à arriver? Oui, pour juste arriver là. Bon, et objectif là, c'est rester au Mexique ou bien entrer aux États-Unis? Non, objectif là, c'est entrer aux États-Unis. Jusqu'à présent, comment ça arrive pour CBB One? Pour CBB One, on a demandé à chaque matin jusqu'à ce qu'ils répondent non. Et ça, on nous a fait. Est-ce que ça arrive ou tu fais un groupe déjà qui crase ou bien? Oui, moi j'ai deux groupes qui crase. Moi j'ai entré dans deux groupes qui crase. Quand j'ai l'amour obligé de faire un groupe là, nous trois qui la donne. Nous avons des cas où il y a des gens qui ont obligé de faire un passeport. Puis ils ne crase pas groupe. Hein, parce que. Tout le temps, groupe a pris, tout le temps, plus en Mexico. Ah, ok. Alors, il y a des gens qui sont désespérés. Oui, désespérés. Alors, qui ont des passeports, il y a des gens qui ont des passeports. Pour ne pas craser le groupe. Oui, il y a un propre cousin, passeport même. Ok, voilà. Bon, ouais. Et depuis, il y a immédiatement l'allemand de l'autre groupe, sortez de l'écraser automatiquement. Les ça va avoir des difficultés. Il y a des difficultés pour sortir. Il y a des gens qui ont croisé 9 mois ici, c'est un craser le groupe. Et tout le temps, ça ici. Ok, par rapport à la conjoncture politique États-Unis, côté il y a une forte possibilité pour Donald Trump, ta président, il promet qu'il y a une pile de déportation. Est-ce que ça n'a pas créé un craintif dans vous-même, une peur pour qu'il rentre aux États-Unis? Non, ça n'a pas créé une pièce craintif dans moi-même parce que dans la vie, il y a un plan A, un plan B. Immédiatement, tu arrives au président, il y a un problème, il y a un autre processus qui a fait, si tu ne veux pas aux États-Unis, tu traverses le Canada. Okay. Et le Canada a bon papier normalement. Okay. Même si beaucoup de travail, il y a bon cas et tout ça. Ah, c'est ça ou dit ou? Oui, il y a des gens qui passent. Oui, il y a des gens qui sont au Canada. Et les États-Unis, vous avez des familles, capitaine oui, États-Unis? Oui, des familles, des sœurs, grand-mère, tonton, ma tante. Ah, ok. Vous avez des États-Unis longtemps? Mm-hmm. Ok. Qui sont espérés ici dans le pays des États-Unis, les Wallets? Espérés dans quel sens? Qui ça vous espérez ici, que vous n'avez pas déjà réussi dans plusieurs pays que vous passez déjà, et pendant que vous vivez aux États-Unis? Pour me vivre meilleur, pour m'occuper petitement bien. Surtout, je suis allé mettre petit peu de côté. Alors, vous pensez que c'est facile pour l'arrivée pour rentrer petit peu là-bas? Dès que vous travaillez, vous n'avez pas grand-chose possible. C'est l'argent qui parle. Parce que si vous avez un programme et Biden, vous pouvez payer n'importe quel fil pour tout le monde. Alors, il y a une possibilité ça? Oui, dès que vous travaillez, ce n'est pas impossible. Vous comptez ça à faire. Mais il y a un peu de monde ici qui choisit de faire résidence plus facile ici pour rentrer petit peu. Famille, après ça va entrer aux États-Unis, ça va passer dans la tête ou? C'est pas passé, ça va passer. Moi-même, je suis un peu de patience. Mais peut-être, je suis venu ici. Je suis venu ici pour faire le processus de résidence. Là. Ou pas vague? Pas vague. Ça va pas intéresser la résidence. Là. Ok. Eh bien, d'accord, merci de ce côté partager l'expérience avec la plateforme Léona Choua. Mais pas de problème. Moi-même qui vous dis merci. Mais pas de problème, merci. Parce que vous avez sali en Haïti ou quelqu'un à nous voir? Je suis sali, mais ça n'est pas important pour le monde. Je suis sali dans le téléphone. Bien d'accord, okay. Merci un peu. Il n'y a pas de problème.